Salut à tous, bienvenue dans un live un peu spécial. Oui, salut. Salut. Tout le monde bouffe depuis tout à l'heure, regarde, y'a plus rien. On a très joli de côté, Laurine, aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je reste sur. J'ai envie de faire l'audience. Ça va, mister? Oui, très bien, tu as vu, le décor est différent, mais très convivial, très chaleureux, voilà. On est sur des canapés. La vraie question, c'est est-ce que D-World va manger ce soir et qu'est-ce qu'il va manger? Oui, je vais manger, ça c'est sûr, parce que j'ai faim, hein, comme chaque fois. Et la question, c'est surtout qu'est-ce que je vais boire? Ça, on commence à avoir la réponse tous les dimanches. C'est bien compliqué de croire à une parole qui n'est pas sortie de la bouche d'un enfant. Je sais pas si vous pouvez voir. Chacun son taf. Elle est où ta cabine de réalisation? Par terre, vers là. Dans le trou là. J'ai appris à lire entre les souris, entre les je t'aime, entre les tu me manques tant. Et bienvenue dans le 11ème live de la Web Real TV, on peut applaudir. Ouais. Tu reviens quand? Dans la pluie, tel un champ de bataille, tel un champ de mine, le champ de mes enfants. Yes. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, Biquette, je mène l'enquête. Ne dites pas que. C'est moi qui vous l'ai dit. C'est moi qui vous l'ai dit, voilà, c'est ça. Mes entrailles, mets ma voix sur les champs d'honneur. Le champ des calibres, moi le champ libre. Mais Jappara, elle arrive avec des gardes du corps. Et une limousine. Et en fait, Kenza, je l'ai déjà vu il y a longtemps, quand j'étais chez Ado. Et j'étais déjà amoureux d'elle, mais il y avait déjà son manager qui est là, qui sont mariés en même temps, donc c'était un peu compliqué pour moi. T'es obligé de fermer ta gueule en fait. Donc oui, mais je le dis maintenant, Kenza, je t'aime. Voilà. Mais respect pour le mariage et pour les enfants qui vont arriver. Dans ce milieu sur une corde raide, sans jamais demander de l'aide. J'ai plus qu'une corde à mon âge, je ne fais pas partie des faibles, de ceux qui savent. Salut. Bonsoir. Ça va? Bonsoir l'équipe. Ça va? Ouais, c'est pas en direct là, c'est pour Léo. Ça va? C'est juste pour Léo. Allez, on rentre. C'est la guerre dans la vie, c'est comme sur le terrain. En tête du classement et jamais repêché. Vois la vie tel un champ de bataille, tel un champ de mine, le champ. Je fais une petite interruption, je prends un bonjour à Kenza, on est en direct sur internet. Bonsoir Kenza, bienvenue. J'aimerais qu'on fasse encore plus de bruit pour Kenza. Ouais. Kenza, ton pronostic de ce soir pour le match PSG-OM? 7-0 pour l'OM. Super optimiste en fait. Ouais. T'es pas marseillais. Tout à fait. 7-0, ok, c'est noté, à mon avis. 7-0. Après, bon, si je fais moins la marseillaise, je dirais 2-0 pour l'OM. 2-0 pour l'OM. Voilà, si vraiment ils sont tous fatigués quoi. C'est déjà plus sinon réaliste. C'est 7-0. C'est déjà plus réaliste à mon ami. Voilà. Et but de qui? But de Zizou. Non, je sais pas. But de qui? But de... aide-moi. Tu veux que je t'aide? Franchement, en Marseille, ils sont fatigués. Donc moi, je te dirais plutôt 2 buts de Pastore. 2-0, mais pour 2-0 pour le PSG. 2 buts de Pastore. 2 buts de Pastore. Hein? Il joue sous les... Ouais, il joue sous les... Eh ben, 2 buts de Diawara. Mais c'est un défenseur, Diawara. C'est pas grave, il va mettre des buts. De la tête. Ouais, voilà, il va mettre en plus, j'ai mon pote Alou Diarra qui joue dedans, mais bon. D'accord. Je suis désolé, mais PSG, hein, cette année. Donc, il y aura 2-0, mais pas pour... Voilà, ne pas pour les... Vous n'avez pas le même pronostic. Non, moi, je suis pour Paris. Pastore, Pastore. Allez, l'OM. On va J'ai longtemps cru qu'un seul sourire suffisait à éclairer les cœurs. J'ai longtemps cru que la musique suffisait à adoucir les mœurs. J'ai souvent pensé que les éclats de rire sécheraient mes pleurs. Si j'essaye encore. Je cut au bout d'un moment quand même, parce que ça fait la phrase 17 secondes. Je cut au bout. 3, 2, 1, c'est parti. À toi. Amérique, à toi. Alors, mais tu te démerdes, c'est très bon. Je ne sais pas qui a fait des pâtes, mais c'est très bon. Bon. Je vais aller chercher le reste sur la table. Ramène à boire. Ramène à boire. Ramène la bouteille. Bon. Ramène la bouteille devant. Bon. T'es succulent. Voilà. J'ai enlevé mes rajouts. Je crois que ça m'a enlevé des pouvoirs. Oh.
C'est la première fois qu'on fait une interview en train de manger. C'est super, de l'amour. C'est super. Parce que tu parles, tu poustillonnes, tu parles, tu lui envoies du riz sur la tête. C'est super sympa. Bon, ben ça se bien comme ça ? Impeccable. Au taf. Ça va ? Ouais. Laisse-la manger. Et la bouffe est bonne ? Très bonne. Ok. Correspondait le plus à mon à ton timbre de voix ? Ouais, mais aussi à ce que ça dit. Ce que ça dit. Comment l'aimer? Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Ouais. Ouh! C'est mieux en live que en train de voir. En plus, c'est déjà bon. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas ta mère. Ah, Et vous le tweetez pas. Vous voulez un peu. Vous voulez un peu, tu vois. Ça reste entre nous. Mais merci à vous. Merci, Kenza. Merci. Bonne bonne chose pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et ça a fait bizarre, c'était cool, un peu stressant. Ouais, j'ai montré mon derche. Sauf que moi, j'avais pas vu. Ah, mais je ne le remontrerai pas une deuxième fois. Voilà, ah ben non. Voilà. Et hop, mon nombril. Wouh, quelle audace. Non, mais c'était super cool. Et puis Kenza est super sympa. Elle est comme je le pensais. Très souriante. Non, par contre, j'ai remarqué qu'elle était très, très souriante. Et ça fait plaisir à voir parce que dans les clips, elle était un petit peu morose. En même temps, c'est les chansons qui veulent ça. Mais j'aime beaucoup Kenza Farah. Et vraiment, ça fait plaisir de la voir en vrai. Ça fait limite groupie ce que je dis. On attend notre tour, nous, comme d'habitude. Hein? Toujours à la traîne. Toujours à la traîne. On a un ticket maintenant. Non, laisse tomber, Virginie, c'est pas grave. Hein? Non, mais très bonne soirée. Oui. Petit repas de famille, tranquille. Ouais, c'était sympa. Ça change un peu, quoi. T'as aimé, toi, dis-moi, toi? Ouais, c'était sympa. Combattu dans ma vie, pour chaque chose, j'ai toujours donné du rythme. Ouais, bah moi je connaissais pas trop en fait la web reality TV, donc j'ai tout découvert ce soir. J'ai découvert les personnalités et puis tout le reste de l'équipe. Personnalité. Animateur Sky, quand même. Donc ouais, c'est vachement sympa et puis bah à cause de ça, bah je crois que je vais me mettre un petit peu à regarder de temps en temps. Quoi. Bon bah s'il a passé un bon moment, je suis content. Bah, juste faire trouver des locaux plus grands encore. Alors, je peux faire une annonce ou pas? Si vous avez des locaux très 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 grands, contactez-nous et nous venons chez vous. On débarque à 50, on sait 50. Est-ce que vous voulez que la web reality vienne chez vous? On ramène des stars, on ramène tout le monde, on ramène D-World et toute l'équipe. Contactez-nous. Voilà la bonne idée. Eureka! Eh lui, c'est le meilleur. Ouais. Eh, je suis pas bourré. Eh, D-World est le meilleur. Bah, j'avoue que là il y a de la concurrence, hein. Mais bon, il n'y a pas de concurrence. La concurrence n'a pas là-bas. J'ai une grosse caméra, ouais, je sais. Et c'est ma caméra, c'est la mienne. C'est ton bébé? Ah, c'est mon bébé, ouais. Hey Jojo! Voilà. Jo! Hey Jo! Hey! Hey! Caméra, allez où? Hey! Hey! Ça, c'est de la chute. Merci les gars, ça c'est de la chute. Et à la semaine prochaine! Hey Julio! Julio! Je pars, moi, on est là. C'est bon, c'est dans la boîte.